Il faut confirmer les bonnes choses entrevues lors des deux premières journées de ce championnat national 2. Et ce soir, c'est un adversaire costaud qui se présente contre l'US Militanos avec le Gazélec Ajaccio. Et le corner avec Flodexé. C'est parti, c'est encore une fois au second poteau. Amidouba qui s'était élevé. Goncalves. Et la frappe de Goncalves. C'était bien vu. Il y avait un petit peu d'espace. Il a essayé de surprendre Arnaud Baligeon, mais c'est capté. Flodexé. Réussi à trouver Damien Boudjema. Farid Beziwen qui ont permuté. Boudjema encore, il va tenter la chance. Parade d'Arnaud Baligeon. Et voilà, Damien Boudjema, ce qu'il peut apporter. Percussion. Et la bonne frappe. Et belle parade de l'ancien portier du Red Star. Ce qui va être arbitre en Ligue 1, même pas à 30 ans. On a eu des exemples récemment. On va suivre quand même cette action avec Pélican qui s'est joué un peu de Viegas. C'est la frappe de David Paulet. Beaucoup trop sur Ali Rango, mais attention, il faut rester vraiment concentré du côté de la défense de Saint-Maur. Pino peut se projeter avec le ballon. Il y a la solution Guibao. Bien joué Paulet qui s'est démarqué. Il y a la place sur les côtés avec Ludo Gamboa et Amidouba. Bien sûr, Amidouba qui va revenir. Attention, Chicha. Attention quand même, ça va rater. David Paulet qui porte la surface de réparation. Pas de faute, il faut pas le toucher, David Paulet. Et la frappe écrasée. Ça sort pas. Que ça va sortir en. Ça va même pas sortir en 5m50, ça sera une touche. En tout cas, ça peut lui mettre en confiance. En tout cas, il voit qu'il commence à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Exactement. Il y a un gros trou dans la défense. Pas de position d'enjeu. La sortie de Baillon, il est mal sorti, Arnaud Baillon. Et Chibé qui va prendre le second. Oh, il a pas réussi. Oh, Farid Beziwen, il a pas réussi à maîtriser ce ballon. Du côté du Red Star. Oh, attention, alors on va chicha. Parce que Patrick Hachimi qui a pu récupérer ce ballon. Hachimi qui va tenter la frappe en surface de réparation. Elle va pas retomber assez vite. Cette frappe de Patrick Hachimi. Ah, il aurait dû tenter sa chance. On lui aurait pas voulu dans tous les cas. Ah, c'est la mi-temps. Ça aurait été intéressant en tout cas. C'est la fin de cette première période. Attention quand même à ce long ballon. Ouf. Super contrôle de Goncalves qui est passé. Il a été bousculé. Il faut pas tomber là parce qu'il y a pas de peut-être là. Va en retrait là. Oh, oui, oh la minace. Oh la minace complète. Au fond du filet. Amadi Traoré. Bien placé en retrait qui profite du bon travail de. De Goncalves. Et là, pas de question, pam, lucarne. On est 50e minute de jeu, 1 but à 0 pour le Slovitanos. Vigas, pas vraiment de solution pour lui. Il va être obligé d'allonger jusqu'à Patrick Hachimi, on s'y attendait. Et ça profite peut-être. Bien vu ça. Ah, oh, superbe avec Farid Beziwen. Il y a de l'espace, le centre de Beziwen. Il y avait Hachimi, il y a Goncalves au second poteau et la parade d'Arnaud Baligeon. On comprend un petit peu mieux. Pourquoi il avait gardé son but inviolé jusqu'ici? Parce que là, un peu moins attentif et c'était 2-0 pour Saint-Maur. Alors qu'on arrive dans la dernière minute du temps réglementaire, il y aura sûrement un peu de temps additionnel. Attention à ce centre avec la tête de Lucas Dori, capté par Ali Rango. Être attentif jusqu'à la dernière seconde, c'est vraiment ce qu'il faut là parce que c'est vraiment dommage de prendre un but maintenant. Que l'on salue, je sais qu'il va nous rejoindre bientôt. 90 plus 4, dernier ballon pour Ajaccio. Arnaud Baligeon, on va mettre ça dans la boîte. La sortie d'Eli Rango. Attention à Durimel. Oh, oui. D'Excès. Oh, Flo d'Excès. C'est pas fini. Qui sauve Saint-Maur. Et encore une fois, c'est l'impression que ça va terminer. Dori. Et voilà. Et ce ballon qui va terminer au fond. 90 plus 4 sur la dernière situation possible. Lucas Dori qui douche Saint-Maur. C'est vraiment dommage. Une pensée à tous nos collègues de presse écrite qui doivent changer leur papier. L'avantage de bosser pour la radio. C'est nous de ce côté-là. Les scénarios comme ça. Alors je dirais bien ça nous plaît en général. Celui-là évidemment nous plaît pas du tout. C'est fini. Et c'est la fin de la rencontre. Saint-Maur aura fait quand même forte impression sur une grosse heure de jeu. Mais là, une petite inattention à la fin. Et ça coûte la victoire